Bonjour les passionnés, c'est Marisa. Me revoilà pour vous faire une petite vidéo sur les 15 tops du moment en oracle. Voilà, j'ai vu ça sur la chaîne de Marie tout à l'heure. Je dis bah tiens, je vais faire aussi. Voilà, et donc j'ai choisi mes petits jeux. J'ai eu un petit peu de mal. Enfin, il y a des jeux que je m'en sers plus souvent que d'autres. Mais bon, voilà. Les jeux du moment, voilà. Donc, celui-ci, l'oracle du manoir. J'ai trouvé une trousse que j'ai customisée. Une trousse soldée, toute noire. Et c'est pour tout mettre le plan du manoir. L'iris. Le coffret. Le livre et le jeu. Voilà. Bon, je vais vous montrer ça un petit peu les cartes. Bah, vous connaissez, hein. Un dos super joli. Super beau. J'adore. Très beau. Voilà. J'ai le numéro 300. En 39 sur 100. Je sais pas pourquoi il fait que ça serait fait au milieu. J'ai dû le regarder. Voilà. J'ai pas trop travaillé quand même. Hein. Je fais des tirages comme ça. Mais je n'ai pas encore eu trop le temps de le travailler. Je veux dire que j'ai pas mal de jeux. Et puis c'est pas évident. Là. Hop. Je pense que cet hiver, il y aura le temps. Voilà, comme ça, je mets tout dans ma petite trousse. Voilà. Ensuite, bon, je vais faire. Je fais pas dans l'ordre. Hein, j'ai 15 jeux, mais je suis incapable de donner un ordre en fait. Donc, j'ai l'oracle de Kali, que j'adore. Un gros bouquin, avec écrit assez petit, il y a pas mal de choses écrites. Moi, j'aime bien. Et j'ai la chatte, elle s'appelle Kali, je sais pas pourquoi, mais j'avais acheté ce jeu avant, moi, avant qu'elle arrive. Mais j'avais tiré une carte du tarot, Tarot des déesses, ouais, c'est ça, tarot des déesses de la nuit, ouais, c'est ça. Et du coup, avant d'aller chercher mon chat, je suis tombée sur la carte Kali, c'est pour ça que je l'ai appelée Kali. Et en même temps, j'avais l'oracle Kali. Je lui ai dit, bon, ben.
Ah bah je vais juste pile poil. L'oracle des médiums. Que j'adore. Hop. Je mets pas les cartes dans le petit sachet. Il a été dédicacé. J'aime beaucoup le travail de ces deux artistes. Voilà. Hop. Ah, j'ai pas remis le petit sac. Sinon, j'ai pris celui-là. Je n'ai pas beaucoup tiré. J'ai envie de tirer en ce moment avec. C'est pour ça que je l'ai sorti. Là, il y a une double boîte. Il n'a pas beaucoup de cartes, celui-là. Mais bon, il est beau. Beau. Alors, je l'étudie un petit peu. Là. Hop. Il a été dédicacé aussi. Dédicace les oracles. Il y en a des comme en pleine page, c'est vraiment beau. Et on pouvait mettre des notes. À chaque fois, mais moi je vais pas mettre des notes dedans. Je vais pas écrire dedans. Il est très beau. Voilà. Et celui-ci, que j'ai reçu récemment, que je vais étudier avant de recevoir le tarot. Ben, vous avez vu sur les pas du marcheur du papier. Voilà, de Chloé Bonfil, Nicole Indigo. Je vous l'ai montré, ben, je l'ai reçu cette semaine en fait. Alors, je vous montre vite fait. Que je voulais montrer déjà. Voilà, j'adore le bruit. Voilà, donc je ferai aussi le top des 15 tarots. Ouais. Il me reste à vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée. Et surtout un bon week-end. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les passionnés. Ciao, ciao.